Oh.
chant. Alléluia. Salut ton voisin, dis-lui, ça va chanter. Ça va chanter. Corinthiens 2, verset 4 à 5. Vous restez debout, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 2, verset 4 à 5. Que je lis. Et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse mais une démonstration. Dis à quelqu'un une démonstration continue d'esprit et de puissance. Reprends. Une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi fût fondée. Non sur la sagesse de l'homme. Mais sur la puissance de Dieu. Attends cette belle parole. Quand vous allez dans les centres des examens, oui, des concours, vous allez voir que la foi des hommes, oui, est basée sur la sagesse des hommes. C'est ça. Lorsque nous analysons le monde, yes, nous comprenons ou nous réalisons que la foi de l'homme d'aujourd'hui, yes, est basée sur l'intelligence, sur la science des sorts. Yes. Nous croyons aux avions, nous croyons aux missiles, oui, nous croyons aux bombes atomiques, nous croyons à la science, yes, nous croyons qu'un médecin, oui, est capable d'extraire, n'est-ce pas, le sperme de l'homme, oui, transmettre ça à une femme, et la femme va prendre grossesse. Nous croyons, oui, que nous croyons que le médecin est capable aujourd'hui de transformer une femme en un homme. Le médecin est capable aujourd'hui de transformer un homme en une femme. Nous voyons cela maintenant. Nous voyons l'évolution de la science. Nous voyons l'évolution de la technologie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le massage de la foi est basé sur la sagesse des hommes, sur l'intelligence des hommes. Et quand le problème arrive, nous commençons à raisonner, nous commençons à regarder avec nos yeux, nous commençons à regarder la situation, oui, avec nos yeux, yes, et nous trouvons une conclusion pour dire ça là, c'est impossible. Fais ça. Oh. Nous concluons pour dire, oui, ça là, c'est impossible. Fais ça. Pourquoi? Parce que notre foi, oui, est basée sur la sagesse humaine. Yes. Notre foi, oui, est basée sur la sagesse des hommes. Yes. Mais je suis venu ce soir pour t'amener, oui, à fonder ta foi sur, oui, la puissance de Dieu. Alléluia. À fonder ta foi, yes, sur la puissance de Dieu. Yes. Sur la puissance de Dieu. Yes. Sur la puissance de Dieu. Yes. Je vais t'amener, oui, à mettre ta foi sur la puissance de Dieu. Ça. Et comme ta foi peut être fondée sur la puissance de Dieu, oui, si tu n'as pas vu la démonstration de la puissance de Dieu,
si tu n'as pas vu une démonstration de l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas vu vis-à-vis un parti se lever pour marcher, si tu n'as pas vu des révélations claires, authentiques, ta foi ne peut jamais te passer sur l'évangile. C'est pourquoi ici, chaque fois que nous nous réunissons, Dieu manifeste Hallelujah. Sa puissance. Yes. Par des miracles. Oh, yes. Par des guérisons. Oh. Par des révélations prédicantes. Alléluia. Oui. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où l'église est en train de mourir. Yes. Les gens ne croient pas à l'église. Oh. Parce que même quand tu arrives à l'église, le pasteur te dit va à l'hôpital. Oui. Au lieu que le médecin recommande le cas au pasteur, oui. Le pasteur dit va à l'hôpital. C'est ça. Ton cas, on ne peut pas va à l'hôpital. Quand je te regarde, tu n'as pas de père qui a réussi. Oui. Tu n'as pas de parent qui a réussi. Donc tu ne peux pas réussir dans ma vie. Tu ne peux pas réussir dans ma vie. Oh. Parce que tu n'as pas de relation. C'est ça. Tu ne peux pas aller en France. Et... parce que tu ne connais personne là-bas. Tu ne peux pas voyager. Oh. Parce que dans ta famille, personne n'a voyagé. C'est ça. Voici l'argument. Oui. Des hommes d'aujourd'hui. Leur foi est basée sur les hommes. Oh. Leur foi est basée sur les hommes. C'est ça. Sur la sagesse humaine. Oui. Mais je vais t'amener à comprendre que de la même manière, Élie peut prier. Yes. Le feu va descendre du ciel. De la même manière, Élie prie. Ah. Et l'eau qui quelque part est chargée. C'est ça. De la même manière, Élie jette. Yes. N'est-ce pas un poids dans l'eau? Oh. Parce qu'il y a des gens qui sont allés pour casser des arbres. Mais dans les exercices, la hache est tombée dans l'eau. Le fer est tombé dans l'eau. Oh. L'homme de Dieu dit, montrez-moi seulement où le fer est tombé. Yes. Il dit, donnez-moi le bois. On coupe le bois, on nous donne. Oui. Il dit, jetez là. On jette le bois. Yes. Quelques minutes après, le fer tient à la souffrance. Le scientifique ne peut pas expliquer que quelqu'un qui meurt des jours après, la personne peut sortir du tombeau. Ça, c'est vrai. La personne peut rentrer dans une chambre fermée. Mais Jésus l'a fait. Yes. Jésus a sorti du tombeau. Oui. Ses disciples étaient dans une maison. Jésus a parlé dans la maison. Yes. Il a dit à Thomas, Thomas, voici moi, mon père, voici frère. Oui. Thomas dit, je ne peux pas croire. Oh. Tant que je n'ai pas vu la place des clous. Yes. Jésus ouvre ses mains. Il dit Thomas, voici mes mains. Yes. Thomas dit maintenant je crois. Wow. Parce que je t'ai vu. Yes. Écoutez-moi très bien. Ah. Si les portes sont fermées, si les fenêtres sont fermées, que Jésus arrive à rentrer dans une chambre.
Avant de venir à la pièce, j'étais en train de me laver. Oui. J'étais dans la douche. J'étais dans la douche. Oui. Je voulais appeler ma femme. Pour qu'elle vienne se laver pour qu'on fasse. Oui. L'Esprit de Dieu m'a dit de l'appeler pas. Mais appelle-la en esprit. Yes. Je l'ai appelée. La seconde prêt. Oui. Je vois qu'elle ouvre la porte de la douche. Quand je dis je l'ai appelé, je n'ai pas ouvert la bouche. Oui. Mais dans mon cœur, je l'ai vu en train de venir. Yes. À la seconde prêt, elle est apparue dans la douche. Amen. Un jour, je t'assis. Oui. J'ai vu un oiseau qui s'y volait. J'ai demandé, j'ai ordonné à l'oiseau de venir s'asseoir pour que lui et moi on pose. Yes. L'oiseau est venu s'asseoir. Yes. Et nous deux, on échangeait. C'est pas la magie. Non. C'est pas la sorcellerie. Non. Nous sommes plus grands que les sorciers. Nous sommes plus grands que les féticheurs. Quand tu fais ça, on te compare magicien, on te compare sorcier, on te compare musique, on te compare à quelqu'un qui a pris ses touches, qui allait au Ghana se laver dans les pieds. Si vous savez où on se lave là, c'est de vous aussi vous êtes allé là-bas. Non, ça. Non, s'ils savent, c'est qu'ils sont déjà quittés là-bas. C'est ça, tu veux la montrer là-bas. Alléluia. Je suis venu te dire, oui. L'église est un lieu où la puissance de Dieu doit se démontrer. S'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de déblocage, s'il n'y a pas de témoignage, ici là vous attendez les témoignages des gens. L'esprit en force. Oui. Les citoyens sont guéris. Ils prennent à un résultat. Oui. Un policier qui a quitté un tout bas. Vous l'avez vu ici. Yes. Problème de cœur, urgence. On le transforme en ambulance. Oui. Il ne peut pas marcher, il ne peut pas faire deux pas. Il est venu ici. Yes. Il a été guéri. Yes. Ma tête chef est là. Elle souffrait de cancer. Wow. Là voilà. Je suis allé la prendre à cette veste. Oui. Elle est arrivée de chez moi. Une semaine après. Yes. J'ai entré le miracle. Wow. Elle ne peut pas manger, elle a commencé à manger. Là voilà. Oui. Dieu l'a guéri, ça fait qu'elle s'allait là. Yes. Amen. Nous avons des témoignages authentiques. Yes. On ne fait pas un montage ici. Amen. Est-ce que Jésus n'est pas grand? Il est grand. Qu'on fasse, montage. Chez nous ici, on démontre la puissance de Dieu. Ce soir, tu repartiras d'ici. Yes. Avec un miracle. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit ce soir, tu repartiras d'ici. Oui. C'est par la prière, yes. Par la foi. Je vois la chose. Je prends la chose en esprit. Yes. La chose apparaît. Yes. Le ministère que vous voyez, oui. On n'a pas un père spirituel qui vous envoie l'argent. Il n'y a pas une église née ailleurs. Ouais. Je n'ai pas de fils spirituel qui m'envoie l'argent. J'ai quitté à propos, j'ai commencé à propos. Oui. À propos. Gaza, avenue Gaza, dans une école primaire. Oui. De là, l'esprit m'a envoyé en envoi. Oui. Là-bas, j'ai mis ça de riche. Je croyais en la vision. Yes. Après, j'ai changé, j'ai mis un tapis noir, sachet noir. Sachet noir était déchiré. Oui. Nous avons mis un tapis comme ça. Après le tapis, nous avons mis, nous avons passé avec les premiers tons. Yes. De là-bas, nous avons changé de coin. Nous sommes arrivés d'un point où les gens commençaient à nous opprimer, nous oppresser. J'ai dit au peuple, nous allons quitter ici. Yes. Nous allons acheter de rien. Yes. Ça n'a pas fait un an. Dieu nous a donné ce lieu. Nous sommes arrivés. Oui. Ça n'a pas encore fait un an. Oui. Regarde ce qui est en train de sortir. Yes, okay. Regardez ce qui est en train de sortir. Ah. Regardez ce qui est en train de sortir. Ah. Ah.
Dieu. Non. Si ce n'est pas l'Éternel, yes. Je me souviens. Mm-hmm. Moi, je me souviens. Oui. Qui m'a fait, c'est Dieu. Yes, amen. Je crois Dieu. Mm-hmm. Ma foi est basée sur Dieu. Oui. Sans Dieu, je perdais ma première fille Ariane. Oui. Sa bouche était bloquée. Mm-hmm. Elle partait. Yes. Elle a rendu là. Mm-hmm. Je suis allé au feu voilé. Oui. La mâchoire est bloquée. Oh. Elle était avec maman. Mm-hmm. J'étais en train de. J'étais sorti. La soirée était depuis dans ma fête d'église. Oui. Le docteur dit c'est fini. Mm-hmm. On fait rentrer ma fille à bien dans tout ça. Oui. On appelle les stagiaires. Mm-hmm. Ils ont tout ma fille. Ça, c'est le témoignage. Ils sont. Le docteur est en train de montrer comment quelqu'un meurt. Oh. Les signes d'une fille, d'une petite fille qui est en train de mourir. Or, pendant ce temps, ma femme est dehors. Mm-hmm. Et le médecin dit à ma femme, c'est trop tard. Oh. Ma femme dit, je sais que si mon mari arrive, mm-hmm. ma fille sera ressuscitée. Oh. Ça revient 365 fois dans la Bible. Yeah. Ça dit que chaque jour, uh-huh. Dieu dit à quelqu'un, hey. Ne crains pas. Oh. Chaque jour, mm-hmm. de bonnes situations, oui. sous différentes pensions, uh-huh. il y a une fois qui va dire ne crains pas. Yeah. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien. Pour ce que vous vivez là, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Yes. Et qui a vécu ça. Ah. Ce que tu dis, hey. Il y a quelqu'un qui a vécu ça. Ah. Et qui a vécu ça. Ah. Il y a quelqu'un qui a vécu la mort. Yes. Il y a quelqu'un qui est mort et qui a vécu la mort. Yes. Pourquoi je vais craindre la mort? Oui. J'arrive. À l'hôpital, ma femme me voit, elle dit ta fille est dans la salle. J'ai dit Dieu ne peut pas me faire ça. Oui. Je me suis mis en genoux. Mm-hmm. Je ne voyais pas la mort, oui. mais je voyais la vie. Yes. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ah. Comment tu te vois? Comment tu te vois? Yes. Comment tu vois ta situation? Ah. Vous n'avez pas vu que quand quelqu'un regarde un cadavre, son visage change, on voit la tristesse. Vous n'avez pas vu que quand quelqu'un regarde seulement un président de la République passée, oui. la vie vient sous lui. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous sortez, que vous partez dans un endroit, je viens un peu comme son rocher, c'est comme si la vie vient à votre rencontre. Wow. Souvent, apprenez à regarder. De bonnes choses avec vos yeux. Yes. Les démons rentrent en nous, au travers de nos yeux, au travers de nos oreilles. Ce que tu vois affecte ta pensée. Oh. Ce que tu entends affecte ta pensée. Yes. Ce que tu as l'habitude d'écouter, de toucher, uh-huh. affecte ta pensée. Yes. C'est pourquoi il y a des gens qui sont nés dans une famille pauvre. Oui. Tant qu'ils ne sont pas sortis de cette famille pauvre, ou ne sont pas rentrés en contact avec un homme de foi, yes. de révélation, oh. eux aussi. Ils vont demeurer dans la pauvreté. C'est ça. Je dis à Dieu. Oui. Ma fille n'est pas morte. Mm-hmm. Quelques instants après, yes. on fait sortir ma fille. Oui. Je vois ma fille, je pose la main. Uh-huh. Je dis Ariane. Yes. Elle est blessée. Oh. C'est ça la démonstration. Oui. On ne va pas à l'église. Uh-huh. Pour faire ONG. C'est ça. Pour préparer son cercueil. Oui. Qu'on disait pourquoi on vient à tes funérailles. Uh-huh. On vient à l'église pour que ta situation change. Amen. Et tant que le monde uh-huh. n'a pas vu la démonstration, la puissance de Dieu à l'église, oui. le monde ne sera pas gagné. Yes, si le féticheur mm-hmm. peut faire sortir des aiguilles de vente d'une femme, oui. une femme uh-huh. Si le féticheur oui. peut prendre ses pas, oui. se mordre uh-huh. devant des milliers de personnes et pour lui c'est un spectacle. Uh-huh. Si le pasteur ne peut pas faire ça, oui. les gens ils vont chez le féticheur. Est-ce que...
Je vous dis la vérité. On n'a pas le choix. Même si on nous dit, oui, il y a le paradis qui nous attend. Les gens, ils vont sur le fétiche la nuit. Ils seront chez lui la nuit. Ils vont aller chez lui la nuit. C'est pourquoi dans nos églises, les gens vont être dedans. Oui. Et elles l'ont pris sur le fétiche. Parce que ce que le fétiche fait, le père ne peut pas faire. Le pasteur ne peut pas faire. Le prophète ne peut pas faire. Le bishop ne peut pas faire. L'archevêque ne peut pas faire. L'archevêque ne voit pas. Il ne peut pas voir le sorcier. Poursuit, lui ne voit pas. C'est ça. Et tu vas chez le féticheur. Il va lancer ses colis. Il va dire, c'est ta soeur ça. Pourquoi les gens ne vont pas là-bas? Nous sommes à une époque où l'église va se réveiller. C'est ça. Je vais t'appeler comment? Oui. Une femme de réveil d'onction puissante. Oui. Elle est remplie de feu du Saint-Esprit. Quand la femme apparaît dans la salle, le paradis s'élève comme ça. Il y a des hommes de Dieu. Oui. Quand ils sont dans un village, les malades commencent à être guéris, le fier commence à être transformé. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu. Quand ils entrent sur toi à la maison, oui, la maison change. Yes. La bénédiction commence à venir. Yes. Les démons commencent à fuir. Alléluia. C'est ça qu'on veut maintenant. La démonstration de la puissance de Dieu. C'est ça. C'est pas une affaire de parole. Parole là. Oui. Les gens du parlement vont finir ici. Les parlementaires, oui, les encourants ont tous des beaux parleurs. Oui. Mais ta parole doit être suivie d'une démonstration de la puissance. Et depuis que ta bouche de l'air a été rappelée à Dieu, l'église est morte en Côte d'Ivoire. Et quand des jeux, Dieu les utilise, on les attaque. On les dit non, il n'y a pas de Dieu. Ça, mais... On les dit non, il est comme ça. Oui. Dites tout ce que vous voulez de moi. Ouais. Vos petits confient vos échecs. Yes. Celui qui ne pas faire comme toi. Celui qui parle comme toi, oui, c'est parce qu'il ne peut pas faire comme toi. C'est ça, mais... Nous sommes arrivés au temps, oui, où la démonstration de la puissance de Dieu, yes, peut être difficile dans nos églises. C'est ça. Je suis venu, tu m'as dit quoi? Tu as dit quoi sur moi? C'est ça. Tu as dit quelle parole? Oui. Ta parole s'est réalisée? Tu prophétises? Oui. Est-ce que ça se réalise? C'est ça. Je donne mon argent. Tu prophétises, il n'y a rien. Oui. Je quitte là. Wow. Tu ne peux pas être dans une église. Et l'hôpital. Oui. Et puis chaque jour, le médecin te dit, ça va aller. Même le médecin ne quelque part là. Ah. Il fait des fois, il fait tout pour te renvoyer à la maison. C'est ça. Ce soir. Oui. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Alléluia. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Amen. Lève-toi debout. Lève-toi debout. Lève-toi. 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 Lève-toi demain. Je crois que tu as la foi maintenant. Yes. Arrête de penser à des trains, à ton oncle, à ton cousin, à ton mari. Hey. Mets ta foi en Dieu. Ma réussite là, c'est pas vous, c'est pas ton tonton, c'est pas quelqu'un. C'est Dieu. Yes. Tous ceux dans la Bible ont reçu, ils ont mis leur voix en Dieu. Tu dis Abraham quitte ta famille, il faut les laisser. Abraham quitte, il mettait sa voix sur ses animaux, les moutons là. Dieu les tue tous. Wow. Après, il commence à compter sur son neveu. Dieu se sépare de lui. Oui. Le sépare de lui. Quand il est resté seul, il dit Dieu, maintenant je compte sur toi. Ouais. Lève-toi demain. Dis Jésus. Si je bats la main que je prie. Si je bats la main que je prie. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi plus de force. Donne-moi plus de force. Donne-moi ton esprit saint. Donne-moi ton esprit saint. Donne-moi la foi. Donne-moi la foi. Pour faire le combat. Pour faire le combat. Pour faire le combat. Pour faire le combat. Pour renverser mes ennemis. Pour renverser mes ennemis. Pour renverser mes problèmes. Pour renverser mes problèmes. Si
va souffrir. Yes. Je viens pour apporter des pleurs. Il y a un vent qui va souffler. Oui. Lorsque je vais compter à 7, je vais placer des problèmes dans ce vent. Et le vent va emporter des problèmes. Yes. Je dis, je vais compter jusqu'à 7. Je vais placer des problèmes dans ce vent. Oui. Oh. Une femme est là. Yes. Il y a une boule dans ton ventre. Oh. Je prends la boule, je place dans ce vent. Dans ce vent. Yes. Je prends ta boule et je place dans ce vent. Nom de Jésus. Je compte jusqu'à 7. 1. Il y aura plusieurs situations qui vont partir. 2. Yes. Le chemin va te quitter. 3. 4. Yes. Prépare-toi maintenant. 5. Yes. Prépare-toi maintenant. 6. Il m'a fait prendre le chien. Et c'est comme si j'ai...
j'écartais la mâchoire du chien. Oui. Et je t'ai fait sortir. Hallelujah. Acclame Jésus. La prière que je vais faire pour toi. Oui. Tu vas te sentir bien. Yes. Maintenant la même. Uh-huh. L'Éternel va te guérir. Amen. Il va te libérer. Amen. Il va aussi libérer tes finances. Amen. Et tu vas venir en témoignage. Hallelujah. Tu sauras qu'un prophète a prié pour toi. Yes. S'il ne m'a pas dit, je ne vais pas t'appeler pour le faire. Fais ça. Mais il me dit de prier pour toi. Amen. Je vais prier pour toi. Yes. Lève tes mains au ciel. Mets-lui sur sa tête. Mets-lui sur ses deux pieds. Monsieur, je communique la vie. Yes. L'huile que j'ai mis sur la tête, oui, est le symbole du Saint-Esprit. Amen. Pendant que l'huile est sur ta tête et sur tes deux pieds, et pendant que tu me regardes ainsi, yes, ce qui est mort en toi revient à la vie. Amen. Oui, yes. La guérison s'installe dans tout ton corps. Amen. Amen. Jésus. La guérison s'installe dans tout ton corps. Yes. J'appelle la vie à s'installer en toi. Yes. Dans tes reins, dans tes pieds. Au nom de Jésus. Dans tout ton corps. Yes. Dans le nom de Jésus. Amen. Serpent. Oh oui. Il arrive des fois, il les voit. Acclame Jésus-Christ.
Sur ta tête. Tu vois le serpent sur ta tête. C'est sur le lit. C'est sur le lit aussi. Jesus. Ça fait combien de temps que tu constates ça? Il y a longtemps. Mm. Tu es allé dans les églises pour faire ta délivrance? Non. Qui t'a invité ici? Ok. Vous la connaissez très bien. Vous êtes à Boko. Vous êtes à Yama. Mm. Aujourd'hui, Dieu va te libérer. Amen. Yes. Vous allez coucher, vous avez eu des rapports avec un mystique. Et c'est lui qui vous a lancé ce sort. Ce mystique travaille avec votre doigt. Jesus. Et avec votre doigt qui devient riche, il a orienté des serpents vers vous. Et ces serpents influencent votre destinée. Jesus. Alors tout ce que vous devez avoir, ce mystique-là téléguide sur lui là-bas. Ah. Wow. Jesus. Mais aujourd'hui que je vais prier pour toi, oui. La nuit, lui-même il va avoir ses propres serpents. Jesus. Et ça va causer sa mort. Ah. C'est vous qui m'avez dit. Non. Vous allez parler à mes pasteurs. Non. Acclame Jésus Dieu. Maman. Je suis un prophète de l'Éternel. Oui. Je suis un prophète de Dieu. Oui. L'Éternel, oui. Qui m'a montré ces choses dans ta maison. Ces choses dans ta vie. Oui. Ces choses qui font que tu n'as pas la paix du cœur. Et c'est comme si des choses marchent dans ta maison. C'est pas des choses t'environnent. Aujourd'hui, la prière que je vais faire, je vais démontrer la puissance de Dieu. Ah. Et à partir de cette prière, ce ne sera pas moi aller chez le maître. Alléluia. Yes. 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 Tu crois que Dieu est avec moi? Oui, papa. Et que par la prière que je vais faire pour toi, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus voir ces choses. Alléluia. Papa. C'est une femme qui devait être très riche. Mais à cause de ça, on te voit comme ça, mais tu n'as rien. Oui. Jesus. Oui, papa. Tout l'argent que
l'ennemi a bloqué. Je prends, je te le donne. Demande le ciel à la boule à son ventre. Oui.
esprit. Acclame Jésus. Et tu ne voulais pas le tuer.
Qui t'a dit de le tuer? Ta maman. Ta maman. Tu n'es plus avec ta maman. Et je, elle avait voir un prophète et on lui a dit que je suis tellement riche, pourquoi elle m'a abandonné? Elle m'a pas cherché à demander pardon, mais ça t'a l'enfant maintenant cherche à me bloquer. Tu veux sortir de la sorcellerie? Faut sortir, t'as compris? Tu es trop joli pour faire la sorcellerie. T'as compris? C'est une mauvaise chose. Va accepter Jésus. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui que je vais prier pour toi. Tu vas plus voir, tu vas plus les voir dans la vie. Amen. Ça c'est une grande chrétienne. Tu as compris? Ne pleure pas. Amen. Je vais prier pour toi. Ils vont plus te fatiguer. Je vais prier pour toi, je vais te donner le Saint-Esprit. Si tu le vois, tu mets le feu du Saint-Esprit sur lui. Tu as compris? Et maintenant, vous venez à l'église avec mon papa. Ça vous joue. Qu'est-ce que vous avez bloqué dans la vie de votre papa? Ton papa? Ils ont préparé quoi une corde? Oui. Pourquoi? Pour l'attacher. Pour l'attacher. Oui. Et la corde est où? C'est là. C'est là. Oui. Avec qui? La main de ta maman. La main de ta maman. Ils ont goûté l'argent, on lui a donné et l'argent a rendu fou. Oh. C'est un billet de 1000 francs. La personne a pissé sur le pied. Oh. A fait sécher le pied. La personne a réveillé le pied. Jesus. C'est un esprit qui est sorti de l'eau. Qui est rentré dans cette femme qui est venue vers toi pour te donner cet argent. Oh. Ses parents sont où? Qui est venu avec lui? Venez. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Cette affaire qui fait que tu ne dors pas la nuit. Aujourd'hui, que j'ai prié pour toi, yes. Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Amen.
serviteur de Dieu. Dieu vous bénisse. Quand tu sais, Dieu, que tu ne vois pas trop clair, on peut te faire un pied qui a tombé dedans. Quand tu as serviteur de Dieu, il faut prier beaucoup, il faut chercher l'onction. Pour marcher dans la sanctification. Yes. Je vais prier, Dieu va le libérer. Alléluia. Acclamez Jésus pour sa délivrance.
jours. Ouais. Si tu vas, ne peux pas faire plus de 4 jours. Je t'ai parlé où? Oh. Papa! Je vais prier pour toi. Il y a quelqu'un qui plante ta destinée. Oh. Là où tu travailles là, la personne qui a vu 7 poulains dans sa main. 7 poulains. La personne fait des pratiques mystiques. On ne te voit pas, on ne voit pas ton nom. Malgré que tu, là où tu es, ce n'est pas ta place. C'est-à-dire que tu dois aller à un poste plus élevé. Oui. Mais ces 7 poulains seront avalés par le Saint-Esprit. Yeah. Voilà. Et moi, il te dit, yes. Tu vas monter à la chair. Tu vas t'asseoir dans ma chaise. Oui. Si tu t'assois dans ma chaise, tu vas partir. Oui. Il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Yeah. Bye.
Dieu va enlever la maladie de toi. Oui. Dieu va enlever la maladie de lui. Yes. Parce qu'il porte le nom David. Je vois devant son nom, je vois Emmanuel aussi. Depuis les nids, t'es pas tes lèvres sur les bras. La tête, moi, mais quand tu le prends, on est arrivé dans la couche. Jesus. Le papa, je veux prier. Jesus. Tu veux voir ça avant? Papa. Ok. Relax. Oui, je veux prier. Vous avez votre grossesse là.
C'est une grossesse qui a attaqué. Amen. Amen. Normalement, dans 2 mois, vous devez accoucher. C'est-à-dire, la grossesse doit faire autour de 7 mois. Oui. 7 mois. Acclame Jésus. Tu as 7 mois de grossesse. Allô? Tu as 7 mois de grossesse. La grossesse fait 7 mois. Oui. Ok. Je vois dans la vision que l'enfant allait naître prématuré. Mais dans la tête de l'enfant, je vois de l'eau. À cause de cette infection au niveau de ton sein, je vais couper la liaison. La chose qui quitte dans ton sang, qui alimente l'enfant, je vais couper. Et je vais te libérer. Le mal va quitter. Yes. Et le mal va quitter l'enfant. Amen. Pour que tu affiches bien. Tu nous aimes. L'enfant entend de pleurer et il crie ton nom. J'entends Amélie. Ouais. Je vais dire à qui? Maman, c'est toi qui l'envoie ici. Papa, c'est moi. Quelqu'un est venu à dire, elle est venue. Elle est venue, mais je ne dis pas quelque chose. Maintenant que tu es venu là, tu crois maintenant? Hein? Oui. Ah. Yes. Acclame Jésus. Il va pas. Yes. Regarde. Va t'asseoir dans la chaise, première chaise. Tu vas te lever. Cherche un peu l'huile. Et lave-toi avec ça. Mets dans l'eau matin et soir pendant 5 jours. Yes. Après ça, tu seras délivré. Acclame Jésus Dieu. Amen. Ça va? Ça va maintenant? Ça va? Oui, ça va. Ça va. Acclame Jésus. Nous assemblons ce lieu, ça s'appelle Jésus. Que le Dieu du prophète Emmanuel t'accompagne à domicile au nom de Jésus. Qu'il te garde durant ces jours au nom de Jésus. Qu'il émane de toi toute attaque de la sorcellerie au nom de Jésus. Qu'il te donne la victoire sur les yeux de tes adversaires au nom de Jésus. Amen. Qu'il pourvoie tes besoins cette semaine au nom de Jésus. Amen. Qu'il rend tes nuits agréables au nom de Jésus. Amen. Qu'il aveugle tes ennemis dans le nom de Jésus. Amen. Petit dimanche en soleil avec un puissant témoignage au nom de Dieu le Père, le Fils et le Père, nous avons prié. Amen. 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 Amen.